Contre Niort, on aurait mérité vraiment les 3 points. Ensuite, à Nîmes, on se fait rejoindre vraiment dans les dernières secondes. Et puis contre Tours, bah, on confirme un peu sur les 2 précédents matchs qu'on a eus. Donc voilà, maintenant c'est le match contre Amiens qui va comment dire, valider tout ce qu'on a fait depuis 3 semaines, on va dire. Personnellement, les avoir joués l'année dernière et l'effectif ayant pas forcément changé, ça va être, je pense, un combat déjà physique. Je pense qu'ils vont amener beaucoup d'impact. Après, ça va être aussi à nous de répondre. Mais je pense que nous, sur nos qualités, ça va être surtout techniquement qu'il va falloir être bien précis pour sortir de leur gros pressing. Et voilà, et aussi être réaliste des 2 côtés, que ce soit défensivement pour nous et offensivement aussi pour nous. Voilà. De toute façon, on joue tous les matchs pour gagner. Et je pense qu'on a, au jour d'aujourd'hui, si on va là-bas en se disant qu'on ramène un nul, je pense qu'on serait peut-être pas sur la lignée de ce qu'on fait sur les derniers matchs. Faut qu'on soit aussi un peu qu'on soit réaliste sur nos performances. Si on a aligné quand même de bonnes performances sur les 3 derniers matchs, faut qu'aussi on aille à Amiens pour prendre quelque chose. Et je pense qu'on a les capacités pour faire quelque chose là-bas.